j'aurais voulu savoir de quelle façon tu as travaillé avec la comédienne. Est-ce qu'il y a eu un long travail préparatoire avant le tournage? Oui. Nous avons travaillé pour 2 semaines avant de travailler, avant le tournage. 2 semaines pour moi? Oui. Il n'y a pas d'improvisation du tout. Oui. Est-ce que tu peux préciser tes conditions de production? Comment tu as pu produire le film? Qui t'a produit? Le dernier film. Comme production, c'est une production italienne de Rome. Et l'argent à 90% vient de la télévision allemande, de Mayence. Ah, encore. Oui, bien sûr. Je ne savais pas que la télévision allemande continuait à t'aider. Ils t'avaient financé beaucoup de films dans le passé. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous fais? Pour moi, un café. Et nature. Un café nature, oui. Oui. Et un cuillère royal, un groupe royal, un pire au champagne. Oui, un pire royal. Oui. Un café, s'il vous plaît. Un café aussi. Et un paquet de Marlboro aussi, si c'est possible. Donc le film sera programmé à la télévision allemande. Oui, malheureusement, très bientôt, parce que comme ça se trouve, après les projections ici, étrangement, comme ça, les cas se sont trouvés à ces distributeurs qui vont les distribuer aussi dans les pays à côté de l'Allemagne, comme la Suisse et l'Autriche. Et l'émission à la télévision complètement anéantit la possibilité de distribution. La distribution en Allemagne. Hein? En Allemagne. Oui, Autriche, Suisse, mais c'est visible partout, la télévision allemande. Oui. En Belgique aussi. Non, là, il y a le problème que les gens vont le voir en tous les cas avec des sous-titres compréhensibles quand même. Je veux dire, comme le film sera sous-titré en allemand, oui. En Belgique, on ne comprend pas. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu l'idée de départ? Parce que bon, tu as choisi Naples. Déjà dans les Cacatapas, oui, il y avait déjà une partie, toute une partie du film qui était à Naples. Enfin, je crois que tu y as vécu un peu. Oui, non, moi je suis, ça fait 14 ans maintenant. 14 ans, plus 11 ans, 16 ans que je suis allé à l'école à Naples pour une demi-année. Et après, je suis toujours rentré. C'est une ville qui me fascine, que j'aime beaucoup. Peut-être que ça se voit dans le film. Et j'aime beaucoup aussi la langue, la bretonne. Oui. Extrêmement belle langue. Comme toutes les langues, des gens assez pauvres et des gens très repressés par la situation vitale, politique ou sociale, la langue devient toujours plus beau, plus précis, je trouve. On les lit à dialecte, par exemple, au Mexique, c'est la même chose. Comme ça, je trouve le napolitain plus beau que l'italien. Donc, c'était quand même au départ, la langue, c'est un peu... Non, parce que non, je parle la langue. Comme projet pour le film, oui, c'est... l'idée du film en général. Enfin, non, pas l'idée précise du film, je ne parle pas de l'histoire, mais c'est ça que... Tu voulais vraiment tourner en napolitain, quoi. Oui, bien sûr. C'est un film à Naples. Non, pas c'est un film à Naples, naturellement, en napolitain. Je ne tourne pas un film à Paris, en anglais. Non, mais... Je crois que dans les Cacatapas, c'était aussi en napolitain. Oui, mais là, il y a seulement deux fois la voix du père off qui parle, mais c'est en napolitain, bien sûr. D'ailleurs, le même fait aussi une très petite rôle encore dans ce film. C'est la première fois qu'il n'y a pas Magdalena. Parce qu'elle n'est pas en napolitain. Non, dans tous les films, il y a deux étrangers qui ont aussi des rôles des étrangers dans le film. Margaret, qui fait la prostituée. Oui. Et Paul Jiménez, qui fait le type qui vient de l'Espagne. Donc ça s'est justifié, tu sais, comme action. Et tous les autres qui sont dans le film des Napolitains, on ne peut pas jouer des étrangers. Oui, mais tu avais toujours réussi dans le passé, malgré ça, à inclure
un personnage pour Magdalena, que ce soit dans l'Ange Noir, au Mexique, que ce soit Naka Kedapa, bon, c'était... Là, par exemple... Là, il y a une rupture, là. Non, pas une rupture. Non, par rapport à, tu sais, par rapport à ton travail, je parle pas. Non, tu sais, j'ai fait très très peu de cinéma, et à ce moment, j'ai fait énormément de mises en scène théâtrales, et dans les mises en scène théâtrales, je n'en plus. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est pas une rupture, c'est récent. Et c'est pas une rupture parce que je vais retravailler avec elle, mais pour un certain moment, pour 2 ans, je faisais des travaux avec des gens que j'aime aussi beaucoup, comme un metteur en scène argentin qui travaille en permanence à propos, qui est très bon. Donc, et elle est complètement bloquée là aussi parce qu'elle doit jouer, elle doit travailler dans des répétitions. Elle ne peut pas faire des caprices, pauvre Magdalena. Quand je disais une rupture, c'était par rapport à ton travail à cinématographique antérieur. C'est-à-dire que bon, jusque à Flocon d'Or, c'est un cinéma qui on a dit décadent, mais avec beaucoup de guillemets. Hein, puisque là, dans ce film-là, il semblerait que tu t'approches du réalisme, enfin du néo-réalisme italien, je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que tu as trouvé ça assez fou, ce que je dis. Non, moi, j'ai toujours trouvé fou que les gens ont pensé que, par exemple, le style de mes films et le style de mon travail, c'est une chose qu'on peut classifier comme un travail de 4 ans, chose comme ça. Parce que la seule chose qui a compté toujours pour moi, comme qualité dans mon travail, c'est que moi, que j'ai vraiment un énorme amour pour l'idée de l'amour et de la vie et de la mort. Et naturellement, on peut la retrouver aussi avec un travail plus linéaire, plus linéaire réaliste, pourquoi pas. L'idée est la même derrière mon dernier film comme derrière tous les autres. Et autrement, je te dis, ça devient un peu gâteux si tu fais un film après l'autre et quelques films sont pas mal. Comme par exemple, moi j'aime beaucoup les Pagondor. Et tu peux ni les sortir, ni les faire voir, ni tu gagnes ni de l'argent, tu travailles comme un fou, tu n'as jamais un sou. Et seulement pour laisser vivre cette théorie, Werner Schroeter, parce que vous avez fait des beaux films, et vous-même, vous pouvez rester dans la poubelle, c'est vraiment l'idée sociale que je ne fais pas. Donc je me suis pris un sujet que j'aime beaucoup, parce que j'adore les Napolitains, j'aime beaucoup Naples, je comprends bien la situation. À Naples, parce que j'aime la ville et j'aime les gens, tout en contraste presque tous les mecs que je connais, qui sont connectés à Naples. Donc j'ai pris la chance d'écrire un scénario avec une recherche que j'ai fait à Naples, parce qu'aucune chose dans le film est une invention, c'est toutes les choses vraies. C'est pas très tellement dramatique à Naples, paraît-il, c'est souvent. Et j'ai fait des recherches, j'ai écrit des scénarios, et donc on a trouvé cette production italienne en Rome, de la télévision allemande. Avec ce dernier film, enfin moi que je trouve pas très fort, je trouve ça aussi très fort aussi d'avoir pu changer de style. On te retrouve toujours. Et par exemple, le travail au niveau des acteurs, quand on voit par exemple La mort de Maria Malignan, on trouve un travail qui est très proche de l'un des premiers films de Murnau. Moi j'avais revu Fantôme il n'y a pas très longtemps, j'avais trouvé ça vraiment enchanté. Enfin, je pense que tu as dû aimer ces films-là. Non, tu ne connais pas. Bah. Je connais vraiment très peu le cinéma, c'est terrible. Tu dis que tu connais très peu le cinéma, c'est... C'est vrai, c'est pas une prétention, c'est vrai. Puis moi, le dernier film que j'ai vu tout en plus, c'était Salon de Pasolini, que j'aurais beaucoup aimé. Ouais, ça fait 2 ans, donc c'est vrai. Vraiment pas. Mais tu as quand même vu les films de Murnau, quand même. J'ai vu un seul à l'époque, je crois, c'était dans les années 60, les projeté à la cinémathèque. Ouais. Faust. Faust, oui. Oui, c'est un film que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé. Mais alors d'où vient ce travail au niveau des acteurs qui font des grands mouvements Je crois que c'est une chose qui existe dans la personne même. Les cigarettes. Oui, les Marlboro, c'est vrai, j'ai oublié les avantages. C'est au niveau de l'écrit que ça devait être tout à fait différent cette fois-ci comme travail. Il y avait vraiment une... Enfin, tu as écrit quelque chose là pour le Royaume de Naples.
Et pour les autres, non? Non, mais tu sais, j'ai toujours écrit des choses, mais naturellement pas un scénario complet comme c'était nécessaire ici, autrement les gens n'ont pas l'argent, tu sais. Oui. L'Italie, tu trouves pas l'argent comme ça, c'est la promesse que tu vas faire un film. Donc j'ai écrit ce scénario. Mais comme c'est dans la nature des choses que les gens ne connaissent pas du tout mon travail théâtral en France. Comment le connaître? Oui, mais c'est normal, ils ne peuvent pas, parce qu'il faut toujours voyager à Bochum ou à Cassel ou à Hambourg ou à Francfort, c'est pas très agréable quand même. C'est pas d'une rupture, par exemple, il faut quand même voir aussi le travail théâtral que j'ai fait. Ah oui, ah, le travail théâtral de la poussière. Ah oui, moi je Et là déjà, par exemple, j'ai fait une mise en scène de Mademoiselle Julie. Strindberg, j'ai fait une mise en scène de Normand Toré, sur le théâtre là. Un autre Lessing, Sarah Sampson, la première tragédie de Lessing. En tous les cas, le style de mon travail théâtral est beaucoup plus près de ce dernier film que de mes autres films depuis toujours déjà. Parce que je trouve le théâtre expérimental, je trouve presque tous les... En toute chance, je trouve presque toujours assez gâteux. Parce que pour moi, un théâtre, c'est un public de théâtre qui veut voir quelque chose, qui veut comprendre quelque chose, qui veut s'amuser, qui veut, non, qui exige d'être respecté comme spectateur, beaucoup plus que dans le cinéma. On peut sans faire le moindre compromis, on peut vraiment tenir les gens au théâtre, c'est bien, sans faire un compromis, jamais fait un compromis. Mais dans mon style, comme je sentais la chose, je l'ai monté sur scène. Et comme ça, quand même, on a eu... L'avant-dernière chose que je faisais l'année dernière avec Ingrid Kaven à Bochum, Mademoiselle Julie, c'était tenu sans moi au programme, tu sais. Donc c'était un énorme succès pour les spectateurs. Bon, ça a été un... Cinq mois. Cinq mois, oui. C'est quand même... C'est beaucoup aussi. Oui, c'est pour mais... l'Allemagne, c'est énorme. Enfin, ce succès, par exemple, au niveau du théâtre, est-ce que ça a des retombées au niveau du cinéma? Est-ce que maintenant tu vas avoir plus de facilité pour réaliser des films? Sans doute, parce que les gens ont vu que je suis assez professionnel, faire des travaux différents, tu sais. Pas seulement un certain travail cinématographique. Mm-hmm. En tous les cas, les possibilités de mise en scène, de monter des choses sur scène au théâtre, je suis heureux. Et les Marlboro. Merci. Je sais pourquoi je ne les ai pas montés, parce que j'en ai plus. Il y a des caméfiltres. Non, j'ai Winston, Benton, Royal. Winston. Merci. Mais tu sais, sur le niveau cinématographique, trouver beaucoup d'argent avec mes choses, c'est encore très difficile. Je pense que avec ce film-là que tu présentes à la quinzaine, tu montres que tu es capable de faire un film avec un sujet précis à l'avance, avec un scénario qui est fait à l'avance. Les producteurs fonctionne comme ça, c'est très difficile de changer les choses. Peut-être que... Enfin, je pense que ça va être beaucoup plus facile maintenant de pouvoir faire des films. Je crois que tu as d'autres projets. Oui, j'ai deux projets. Un projet avec un scénario que j'ai écrit avec un ami à moi. Il y a eu le scénario, une subvention de l'État allemand l'année dernière, donc il faut trouver un producteur. Et une autre idée après un roman d'un très célèbre écrivain, c'est un roman extrêmement bon, où je veux qu'une compagnie de production achète les droits. Et c'est pour ça que je ne dis pas le nom de l'écrivain, ni le nom du roman, parce que c'est une chose visiblement depuis 40 ans échappée au cinéaste complètement, c'est une chose géniale. Donc s'ils peuvent acheter les droits, je vais faire ce film l'année prochaine. Et l'autre encore en été, maintenant. L'autre qui s'appelle Le cœur noir, l'après-midi, horrible titre encore qu'il faut changer. Une chose écrite pour Rita Hayworth, la vieille vedette, oui. Voyons si elle accepte. Ça dépend si elle a passé d'argent pour le produire correctement, elle va accepter parce qu'elle aime beaucoup l'argent.
Mais ça serait bientôt, tu penses que ça va être au mois de juillet. Juillet, août, et après je commence tout de suite avec une prochaine mise en scène à Bochum. Katharina Kitchen von Heilbronn de Heinrich von Kleist. Et après, tout de suite, avec ma première mise en scène lyrique, Norma, in terms of Bellini. Donc, tu vois, il y a beaucoup de travail. Mais il faut te dire, en Allemagne, je me suis fait respecter par des gens avec une mise en scène de théâtre. Parce qu'à un certain moment, ils me sont pris comme un pensionnaire du cinéma expérimental. Je peux maintenant se retirer parce qu'il ne va pas faire des progrès dans son style et rien. Et donc, j'ai eu énormément de difficultés pour une année. J'ai vraiment absolument pas eu la chance de travailler au théâtre, au cinéma, rien, plus d'une année. C'était à quel moment? C'était après les flocons d'or. Oui, c'était... Les flocons d'or sont passés il y a 2 ans, là, ici. On n'est jamais sorti en France. Non. Après, on l'avait vu à Cannes il y a 2 ans. Il y a le problème des droits musicaux. C'était, oui. Mais quand même, le film a eu une subvention, des avances sur recettes, sur la distribution. Et donc maintenant, avec cet argent, on va acheter des droits musicaux et on va me faire sortir. Avec le théâtre que j'ai monté là, les deux mises en scène et avec des choses que j'ai écrites aussi, j'ai écrit beaucoup des articles pour la presse en Allemagne. Pour m'exprimer, entre autres, un article sur la mort de Maria Callas qui a eu un grand succès avec la presse allemande. Donc, je veux dire, j'ai beaucoup travaillé. Le résultat, c'est naturellement que maintenant, on me laisse continuer à travailler. Et à un certain moment, ils m'ont vraiment pris comme une pauvre débile qui fait des choses assez belles, mais le pauvre, pourquoi fait-il? Mais quand même, à l'étranger, il y avait un certain nombre de personnes qui reconnaissaient ton travail. C'est vrai, surtout au Mexique d'ailleurs. Ça a fait très étrange, parce que les Mexicains ont beaucoup aimé toujours mes films. La mort de Maria Malibon. Ah oui. Et les flocons d'or, surtout. Ah oui. Des cas que c'est presque en espagnol. En France aussi. La mort de Maria Malibon. Beaucoup de gens qui aiment. Mais je veux dire, avec ce public, des intellectuels, des gens très gentils, des gens très ouverts, des gens très sensibles, tu ne fais pas un public pour te faire survivre avec un travail qui coûte quand même énormément d'argent. Les flocons d'or, moi j'ai eu à repayer les dettes au laboratoire à Munich jusqu'au février de cette année, tu sais, des énormes sommes, énormes. Parce que j'ai eu pour le film tout ensemble peut-être... Non, même pas 400 000 nouveaux francs, même pas. Et le prix après était 600 000 nouveaux francs, donc une différence qui me restait assez énorme. Mais c'est effrayant, tu sais, parce que... Et aucun acteur n'était payé dans le film, personne n'était payé, non, personne, tu sais. Et ça, c'est un peu gâteux, je collabore avec des gens qui t'aident beaucoup, qui sont tous tes amis et comme ça. Andrea et Bull, ils ont même payé leur propre voyage et tout, tu sais, tout ça ridicule. Et donc, on montre les choses, et personne ne s'intéresse, c'est très artificiel, c'est une belle chose. Quand même, comme ça, on ne peut pas faire tenir une situation vitale de travail, on ne peut pas. Non, mais ça, c'est un peu un problème. Merci beaucoup. C'est un problème que connaissent beaucoup de réalisateurs, quoi, qui font un cinéma très personnel, qui n'a pas un grand public, et ils se heurtent continuellement à ça. Et moi, je me suis dit, c'est parce qu'après le film de Naples, j'ai fait un autre film encore. J'ai pas pu mettre du matériel que je connais de nouveau moi-même comme chef opérateur aussi. Oui, c'est fait. C'est pas un le dernier tournage, à la fin du tournage du film de Naples, je suis allé avec des amis à Zurich et je fais là, pendant 2 semaines, j'ai fait un autre long métrage. C'était avec des copains. Oui, exactement. On m'en a parlé. Oui, et ça m'attend là à Zurich au moment, parce que j'ai pas rien vu. Rien.
du matériel. C'est toi qui étais à la caméra. Non, dans tous mes films, c'était moi. Seulement dans le film de Naples, c'était Thomas Mauss. Et dans La Salomé, c'était Robertson Akaran, cameraman. Dans le dernier, il est en 35 mm. C'est un 35 mm ici, mais c'est tourné en super 16. Ah, voilà. C'est large écran 16 et grand cinéma. D'accord, alors moi, c'est ce que je pensais, que c'était tourné en 16. Et moi j'en ai parlé à Marc Rapaport, lui qui croyait que tu avais tourné en 35. Non, et je te dis, comme j'ai fait des expériences assez funestes avec la compagnie de production italienne, qui sont vraiment absolument pas très honnêtes, j'ai fait un truc pour me garantir qu'ils vont gonfler le film, tu sais. Avec mon caméraman, parce qu'ils m'ont dit naturellement on va gonfler le film, autrement on ne peut pas le tourner. Mais moi je pensais, dès qu'ils voient le film, après ils vont voir qu'ils peuvent le vendre à la télévision italienne, la télévision allemande, en tous les cas, on est presque tout l'argent. Donc le film va disparaître sans distribution du tout, comme d'habitude, tu sais. Donc, j'ai fait ce truc-là avec mon caméraman. On a décidé de changer la caméra en Super 16. Et le Super 16, c'est pas commercialisable du tout. Tu peux pas le projeter, tu sais, parce qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de place, tu sais. Parce que le format est l'invention pour le gonflage. L'invention américain qui fait large écran 1 à 1,66 comme le large écran 35, qui utilise vraiment le format jusqu'à la limite. Oui, je comprends. Tous les côtés. Donc, après, le producteur a dit non, on peut présenter le film à grand comme ça, au 16, puis comment on peut présenter. Et donc, lui, il est ennuyé de rage. Parce qu'il devait tenir sa promesse, donc ils étaient obligés obligatoirement de le gonfler. Mais le fait de gonfler le film, tu n'avais pas peur que la qualité de l'image soit un peu en dessous de ce que tu voulais? Moi je trouve l'image, je trouve très très bien. Et si tu as vu là une copie sans aucune correction. Sans aucune correction. Ça n'a pas été étalonné. Non, rien. C'est avec une seule lumière. Et donc d'abord c'est un travail très professionnel de Thomas qui a équilibré déjà pendant le tournage le matériel assez stable et aussi un assez bon travail du laboratoire qui a fait le gonflage du plus longtemps pour 3 jours dans une vitesse incroyable. Ils ont bien travaillé, ils sont vraiment extrêmement professionnels et artisans dans le bon sens dans le laboratoire italien. Vraiment, c'était un plaisir. C'était le seul plaisir avant, je peux te dire, par rapport au travail. Parce que j'ai trouvé beaucoup de gens qui ne sont vraiment pas bien. Mais là, Technospace, ils ont fait un très bon travail. Et les prochaines 2-3 copies vont être complètement parfaites. Et tu vois. Mais tu sais, ils ont des machines assez vieilles et primitives en Italie. Pour ça, extraordinairement bien fait. Parce qu'il faut, la chose qui manque dans la technique, il faut avoir le génie comme technicien pour arriver au même résultat comme les autres laboratoires avec des machines plus luxueuses, plus modernes, plus stériles. Donc ça c'est bien. Non, et en tous les cas, je ne trouve pas que mon film dépend de choses comme ça. Dans un film comme Florent Bord ou La mort de Maria Malébran, ça dépend beaucoup plus des équilibres, des lumières, des choses comme ça. Dans ce cas-là, je ne trouve pas du tout. Ça ne me gêne pas, même cette coupure, ça ne me gêne absolument pas. C'est une chose absolument compréhensible comme ça, sur la forme. Mais là, le film que tu viens de tourner à Zurich, il est encore en 16 mm. C'est pas un super 16. Non, c'est 16. Là, tu... Non, mais avec le producteur suisse, je ne crois pas que j'aurai les mêmes difficultés. Si je veux, le gonfler. Quand même là, je ne crois pas que je veux qu'on le gonfle, parce que c'est un travail de nouveau très privé, disons, notre personnel. Non, privé, quoi. C'était très beau comme rapport de travail. C'est une hystérie de faire pour équilibrer les forces. Avec le film de Naples, j'étais dans une folie de faire une chose où je tiens moi-même la caméra, où je refais tout moi-même. C'est
pendant 9 nuits, de 7 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin. En 9 jours, 9 nuits. C'était terriblement difficile parce qu'on était tellement fatigué. Moi, je savais après, je ne savais plus si je tournais tous les plans que je vous donnais, rien. C'est dans un chaos désorganisé total. Et c'était très bien parce que je tournais là avec deux garçons, c'était très bien. Une danseur de Hawaï, qui est très très bien. Et avec mon ami Harold, qui a aussi fait le décor pour le film. Mm-hmm. Et avec une danseuse de Béjar, assez très vieillie, qui danse plus. Et avec Margaret. Et avec Asio. Et avec Maria Schneider, oui. Donc c'était très gay. Mais je sais, je ne peux rien dire, peut-être le matériel est un désastre, je ne sais vraiment pas, je n'ai rien vu. Tu as utilisé des décors peints, c'est tout tourné en intérieur. C'est tout tourné dans une seule chambre. Une grande chambre avec des décors. C'est des colonies de lèpre d'Ecuador, c'est tout une peinture. J'arrive pas à d'un bourg, c'est une peinture, toute peinture. Et quand est-ce que tu penses qu'on pourra le voir, ce film? On le verra avant la quinzaine de l'année prochaine. Oui, je ne vais pas donner à la quinzaine, ça serait un contre-coup quand même. Non, il faut le montrer dans des festivals pour le film expérimental. Alors, ailleurs, ex Toulon, enfin. Oui, voilà, c'est un film pour les occasions comme ça. Ouais, il faudrait le voir. Ou à la Cinémathèque, ou à Beaubourg. Oui, en tous les cas, comme le producteur suisse aime beaucoup mon travail. Je crois que je n'ai rien à craindre. Si le film est utilisable d'une façon ou d'une autre, il va tout faire. Parce que comme tu as vu pour mon film ici, Reine de Napoli, ils n'ont fait aucune promotion, aucune, vraiment aucune, ni affiche, ni publicité, ni le dossier rien, de presse, c'est craindre. C'est à Cannes. Oui, hein? Le dossier de presse. À Cannes ici. Rien, le dossier de presse est très léger, il n'y a presque rien. Parce qu'ils ont eu peur, même faire la publicité correctement, parce qu'ils ont eu peur de perdre autre 400 000 francs, je vais décider. Et ça, c'était le système tout le temps pendant le travail avec cette compagnie de Rome. C'était vraiment c'était l'expérience la plus funeste comme rapport de production que j'ai jamais eu. Ah oui. Même avec la télévision allemande, tu as jamais eu de difficultés. Parce que tu n'as jamais eu de difficulté au niveau de la production? Non, parce qu'ils m'ont toujours donné l'argent, comme sur le papier, c'était la même somme que j'ai reçue. Donc c'était correct, même si c'était toujours trop peu d'argent. Mais ça, c'est mon risque, si j'accepte une situation comme ça. Voilà, mais ils sont corrects. Mais là, c'était vraiment pas correct. Ça, il faut vraiment dire, parce que c'est dommage. Je te dis, ça vient aussi d'une mentalité grossière, extraordinairement précise et négative. Parce que avec tous les Napolitains, c'était quand même une équipe de techniciens de 25 personnes. Et tu sais, c'était un ensemble de 40 personnes pendant les 5 semaines de tournage. Et j'ai jamais eu, même pas pour un moment, une difficulté avec les Napolitains, vraiment jamais. Seulement avec les représentants de la production romaine. C'était vraiment absolument éclatant. Aussi la différence de mentalité, par exemple, au rapport aux Napolitains, parce qu'eux, ils détestent les Napolitains. Ils sont des gens qui ne peuvent pas travailler, ils sont comme ça, blablabla. Ils tremblent de peur de Naples, tu sais, des productions italiennes. Et moi, je ne tremble pas de peur de Naples. Je tremble avec plaisir si je vois la production romaine. Non, mais tu sais, c'était tellement ridicule. En faisant des recherches pour les maisons écroulées et comme ça dans les quartiers les plus misérables de Naples, ils ont vraiment eu peur d'entrer dans des quartiers comme ça avec moi. Je trouve ça abominable. Donc je suis entré avec mon assistant napolitain et moi je te dis, j'ai jamais eu de difficultés. Vraiment jamais. Pendant tout le tournage. Et c'est ça que personne ne croit, parce qu'à Naples, c'est extrêmement difficile d'arrêter. Tu traites les gens comme des idiots, naturellement, ils te font des contre-coups extraordinaires. Et l'arrogance, c'est vraiment pas une chose qui marche à Naples. Vraiment une cordialité, une ouverture par rapport Mais que, comme tu sais, moi, depuis quelques ans, en principe, j'habite au Mexique. Je suis jamais là, il faut dire.
Donc je connais la situation assez bien quand même, parce que j'ai passé beaucoup de temps au Mexique, parce que j'habite avec une famille près de Puerto Vallarta, dans une laguna. Mm-hmm. Et ça c'est très beau. Ce sont des gens très pauvres, avec 14 enfants, sans emploi presque, c'est vraiment très très bien quand même. Et là, après une certaine époque de distance, j'ai maintenant un rapport qui est tellement bien, parce que la mère de la famille m'a pris comme un 11e fils, donc quand je parle, il y a comme Dios, les larmes dans les yeux, c'est tellement bien, parce que c'est une famille extrêmement pauvre, elle ne peut pas lire, elle ne peut pas écrire, et elle a un petit trafic, une petite boîte là, sur la plage, pas pour les touristes, mais pour les pêcheurs, qui vient le samedi pour boire des bières, manger des tortillas. Et comme elle ne peut pas faire les additions, donc moi, quand je suis là, je fais toujours le travail de constable de la maison. Et j'ai eu assez de difficultés avec les pêcheurs là, parce que j'ai dit non, c'est sorti un peu avec les yeux furibond contre les gringos. La seule chose que m'aide dans des situations comme ça, c'est la mère de la famille qui se trouve derrière moi. Et c'était bien là, arrivé un jour une touriste américaine, une femme dans un canot, comme ça, habillée comme un ballon rouge, et elle voulait avoir quelque chose à boire, et je dis non, on ne vous sert pas. Et elle a demandé pourquoi, je dis parce que vous êtes tellement laid, on ne veut pas avoir des gens tellement laid. Et je demandais à la signora si je fais bien, si je refuse de la servir, et elle a dit oui. Rien. Donc la pauvre, elle est partie en éclat mental. Je trouve que c'est bien parce que c'est la seule méthode pour sauver les endroits comme ça. Tu sais, il n'y a aucun touriste, il n'y a personne qui peut détruire encore l'ambiance naturelle des gens là. Et je trouve absolument nécessaire garder les endroits le plus long possible. Et ça, c'est naturellement un égoïsme de ma part déjà, parce que moi, je ne veux pas que cet endroit-là soit perdu comme tous les autres pendant 2 ans. C'est mieux si ça se perd seulement en 10 ans. On sent quand. Mais est-ce que tu y es souvent là-bas? Tu vas de Mexique. Tu n'as quand même pas beaucoup le temps d'y être. Si tu travailles beaucoup au théâtre. Non, je voulais travailler aussi en Mexique et je demandais de l'État mexicain la nationalité mexicaine et je renonçais ma nationalité allemande. Mais ça, ce sont des procès énormément longs, tu sais, c'est plus de 2 ans, 3 ans. Parce que je voulais travailler au Mexique avec une groupe de théâtre. Mais comme j'ai pas d'argent, je suis obligé de faire d'abord tous les travaux que je peux faire en Europe, c'est normal. Pour avoir un peu d'argent, au moment, j'ai rien parce que la production italienne m'a pas payé correctement, tu sais, jusqu'à maintenant. Donc, travailler une demi-année en Italie sans avoir un sou. Mais comment se fait-il, tu avais un contrat, non, au départ Mais qu'est-ce que tu veux avec des contrats en Italie? Tu peux rien demander, tu fais un procès. Il faut demander l'argent avant. Hein? Pour demander une partie de l'argent avant le tournage, si oui, c'est possible. C'est ça que je fais, mais je ne fais pas beaucoup en avance, tu sais. Ouais, ça c'est un grave problème. Comme moi, quand je remplis le budget tout le temps, en insistant que je fais mon film quand je voulais, ils ont tellement perdu de l'argent qu'ils ne peuvent pas me payer. Moi, je trouve ça complètement ridicule, parce que comme dit la distributrice allemande qui était là, il me dit ça a l'air très bien parce qu'il y a presque de chaque pays des distributeurs qui vont acheter le film, donc il peut récupérer son argent assez vite, le producteur romain. Ah, oui. Au lieu de s'occuper de ça, je lui dis tout le temps, faites une bonne publicité à Cannes, faites quelque chose pour le film, pour avoir une vente très vite et très, très bien payée à l'étranger. Vous avez votre argent de retour d'une manière complètement correcte. Je pense. Ils n'ont rien fait, vraiment absolument rien. C'est assez inadmissible. Parce que moi, tous les gens que je connais, enfin, qui s'intéressaient à ton travail, ont beaucoup aimé ce film-là. Il y a des gens qui ont détesté parce que je pense qu'il faut toujours faire la même chose. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont... Justement, je trouve ça très fort de pouvoir faire un travail. Il y a certains cinéastes, comme Godard par exemple,
que je ne compare pas à toi, et qui a été aussi capable, de, à certains moments de sa vie, de changer complètement et de faire autre chose. Et ça, ça me semble très fort, parce que, en définitive, ça devient un peu la facilité quand on fait toujours le même travail, il n'y a plus de surprise. Et un grand cinéaste, c'est un peu un cinéaste qui surprend un peu le spectateur. Non, mais je te dis une autre chose. Je crois que les gens qui ont commencé avec des films très expérimentaux, avec une expression extrêmement indépendante, inventée, nouvelle, il y a un certain moment, et ça c'est une question d'âge aussi, tu sais, tu ne peux pas te comporter, tu ne peux pas éviter l'effet de comprendre un peu plus de la vie en vieillissant. Mon temps. C'est ça. Ça je oui. N'existe pas parce que j'étais tellement fatigué. Malheureusement, moi je trouve qu'il y a peu de gens qui peuvent introduire dans leur travail, dans leur style, une certaine maturité, ça veut dire une plus grande humanité dans la chose, tu sais. On ne peut pas se bloquer sur le cinéma de jeunesse seulement. Et moi, je regarde tout mon cinéma jusqu'au Flocon d'Or, je regarde comme un cinéma de quelqu'un de très jeune, que j'aime beaucoup, tu sais. Mais c'est normal qu'après un certain moment de ta vie, que tu commences à t'occuper d'une manière différente et de valoriser peut-être une expression un peu plus primitive, mais un peu plus importante humainement. Tu la valorises plus haut que le haut style de quelque chose ou une inventivité spirituelle sur le plan esthétique. Et moi, il faut te dire, moi je suis content avec le film à cause de ça. Parce que pour moi, je regagne un peu un contact plus humain avec le monde. Avant, j'étais beaucoup plus comme ça, tu sais, enfermé dans moi-même. Ça, c'est bien parce que je trouve ça très nécessaire. Et malheureusement, je trouve que beaucoup de metteurs en scène, de réalisateurs et cinéma, ils s'arrêtent sur un certain gâtisme juvénile, même si ils sont 140, 60 ans, tu sais, je trouve pas bien. Ça devient de plus en plus brillant et de plus en plus vide et de plus en plus stylisé. Et finalement, tu as un vide énorme avec rien dans un style qui est fantastique, ça ne m'intéresse pas. Et en tous les cas, même si les gens n'ont jamais cru, peut-être moi, je me suis toujours occupé trois quarts de mon temps de la vie des gens et de moi-même, et un seul quart, même si je travaillais énormément, de mon travail, parce que ça fait partie de ma vie et c'est tout. Si les gens ont cru que mes films, d'abord, sont trop sophistiqués, c'est pas vrai. Ils sont sophistiqués, mais pas trop sophistiqués, parce qu'ils ont seulement trois idées tout le temps. Tout le temps, les trois idées. Renoncer, renoncer, comme on dit, renoncer la mort, calomnier la mort, on peut dire, oui. Calomnier la mort, aimer l'amour et la vie et l'être humain. Et ça, sont pour moi les seuls sujets que j'ai. Mais visiblement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce système dans les films. Et dans ce film, ça se comprend mieux. Et j'ai vu en Italie avec des réactions des techniciens, comme ça, ils ont dit c'est un très beau film et vous avez vraiment très bien compris la mentalité. Vous avez fait une chose qui est extraordinaire pour un étranger. Et moi, je trouve ça un compliment qui me justifie complètement mon travail. Tu sais, c'est mieux qu'une critique très fameuse du monde ou de n'importe quoi, mais écrit à un chef d'œuvre. C'est mieux, eux, écrivent pour Bochotter, qu'est-ce qu'il a fait là. Je ne sais pas, parce que j'ai vraiment parlé avec personne. Ah bon, tu n'as parlé avec personne, tu as eu quelques entretiens avec des journalistes, non? Personne n'a te demander. Oui, mais je ne suis jamais venu. Ah bon? Je suis un privilégié, alors. Non, parce que se trouver comme ça, c'était 5 heures de l'après-midi, les autres, c'était toujours vers les 11 heures ou 10 heures du matin. D'accord, alors je saurai pour la prochaine fois de conserver cette heure. Non, parce que vraiment... Et en plus, tu sais, je ne vois même pas davantage de faire tout le temps ce bla 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 bla. C'est pas nécessaire parce que dans un film comme ça, c'est tellement compréhensible, le travail, c'est tellement visible, c'est un film qu'on peut comprendre, pourquoi il faut faire un film. Il faut pas l'expliquer pour moi.
trouve assez compréhensible, en effet. Et en plus, je suis tellement fatigué parce que j'ai travaillé énormément depuis une année et demie sans aucun... comme ça, tout le temps. Je m'en marre un peu de me mettre en prostitution pour une chose que je trouve assez bien terminée, là. Le film vient d'être terminé le vendredi de la semaine passée, donc c'était dans une folie de vitesse, c'était tout fait, c'était très, très difficile. Donc je me trouve beaucoup plus engagé dans les rapports que j'ai avec les gens. Et ici, on rencontre, tu sais, depuis 10 ans, on rencontre les mêmes gens. Et on voit toujours tous les 2 ans ou les 3 ans, parce que moi je ne viens pas toutes les années quand même. On voit comme les gens ont changé, tu sais, et ça c'est beaucoup plus fascinant que donner des entretiens. C'est extraordinaire, tu sais, l'état de gens qu'on a vu depuis 8 ans ou 10 ans, et comment ils ont changé, et c'est beaucoup plus intéressant et fascinant de voir comme eux ils ont changé dans une certaine période, justement maintenant. Dans le dernier film, tu montres l'histoire d'une famille étalée sur 30 ans, et tu ajoutes un peu comme dans L'Ange Noir des faits politiques qui se passent en Italie et dans le monde. Oui, mais ça c'est une... ce que tu faisais pas avant dans des films comme par exemple Ika Katakwa qui est tourné aussi là. C'est dû à quoi que tu ressens ce besoin de donner des informations sociologiques, politiques Non, mais c'est d'une côté c'est très sérieux, et de l'autre côté c'est aussi un jeu, parce que d'accord. Je donne quelquefois des informations très importantes, et quelquefois je donne des informations ridicules, mais ça doit, pour moi c'est nécessaire pour le film, pour distancer toujours le changement des 2 ans. Tu sais, je n'ai pas su comment faire autrement qu'avec jouer avec une information sur un chiffre d'années, avec une voix d'un speaker, pour aussi faire visible pour le spectateur que maintenant il y a 2 ans qui sont passés, 2 ans qui sont passés. C'est difficile. C'est tellement différent de certains films que tu as fait, où, comme La mort de Maria Livrane, où il n'y avait aucune notion de temps précise, où il y avait des repères grâce à la musique, des références à Dietrich. Oui, etc. Mais ça, sont des positions extrêmement esthétiques de relations, comme des leitmotifs, comme ça, mais si tu fais une... Non, mais quand même, tu sais, l'histoire de cette famille, c'est une histoire qui se passe comme ça dans le film, et il faut la suivre correctement, autrement, comme ça. Oui, non, mais je comprends bien ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, si tu avais fait... tu ne l'aurais pas fait comme ça. Toi-même, tu as évolué beaucoup en tant que cinéaste. Avant, tu n'aurais pas donné ces précisions. Non, parce que j'avais refusé la précision, parce que je trouvais toujours... C'était plus abstrait, quoi, c'est ce que je veux dire. Quoi. Moi, j'aime beaucoup. Aucune expression libre, indépendante, quelqu'un qui fait ses premiers expériments, ça me plaît énormément, toujours si le type est pas stupide. Là, je dis tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux dire, donc, la personnalité dans un travail avec des moyens primitifs, expérimentels, ça me fascine beaucoup plus que les résultats commerciaux. Et moi, comme artiste et comme être humain, ça me fascine. Pour un rapport au public, ça veut dire vraiment plusieurs spectateurs, ça fonctionne pas au système au moment. On voit bien comme les films... il n'y a plus, en tous les cas, les films expérimentaires. Ils n'ont plus aucune importance. C'est... Bon, un pauvre type là qui fait le film, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait ou c'est lui qui a joué seulement Bob Dylan, 4 heures de John Baez ou quelque chose comme ça. C'est tellement gâté et sans aucun sens. Mais c'est pas du tout expérimental son film, c'est très classique. C'est... Oui. Il y a, sur les 4 heures, il y a à peu près 1 heure de concert. Oui. Et puis le reste, c'est des gens qui... C'est une sorte de documentaire filmé, fictionnel aussi, un peu du cinéma direct. Mais regarde, ici, il n'y a presque plus de films expérimentaux à Cannes. Qu'est-ce que tu as vu comme film? Oui, non, mais tout dépend ce qu'on appelle cinéma expérimental. Mais le film de Marc Rapaport est un film intéressant. Je ne sais pas si tu connais. Non. Tu n'as pas vu ses films précédents. C'est intéressant. Mais oui, peut-être. Enfin, ce qu'on a pu voir au Palais du Festival, c'était un cinéma qui était très conventionnel. Qui remettait rien en question. Il y a que le film de Fassbinder était très, à mon avis, très faible.
vrai. Mon avis très faible, hein, le film de Fassbinder. Il y a un film de Ferrari qui est intéressant, tu ne l'as pas vu non plus. Mais c'est vrai que tu vas plus souvent, tu vas pas très souvent. Non, très peu. Est-ce que tu as l'occasion de revoir tes propres films de temps en temps? De temps en temps, par exemple, l'année dernière, j'ai organisé en vitesse une rétrospective au Mexique. Donc j'ai revu deux films au Mexique. Le reste, je n'ai pas revu parce que j'étais dans la maison, mais pas Fabie là-bas. À une distance de 1000 km de la Ciudad de México même, donc je ne suis pas venu, je suis resté pour deux jours pour présenter Flocon d'Or et Salomé, je crois, oui. Mmh. Donc j'ai revu Flocon d'Or, j'ai revu Salomé. Mmh. Mais ce n'est pas une grande nécessité non plus, tu sais. Si ça se passe quelque part, je vais pour voir. Si ça se passe à Paris, tu seras invité. Si tu as la possibilité, si tu as le temps, peut-être que tu pourras venir. Oui, mais pas pour tout le temps, en tout cas. Pour un jour. Non, je vais dire naturellement, ça c'est gai d'avoir la possibilité de revoir son travail. J'insiste que c'est assez important aussi. Mais beaucoup plus pour mon travail théâtral, parce que là, c'est terrible. J'ai travaillé 3 mois au théâtre, la pièce se termine, et tu n'as rien pour toi, comme non, je veux dire, tu n'as rien pour le contrôle, ton contrôle de ton travail. La mémoire. Donc maintenant, je fais, un ami à moi fait des bandes vidéo en couleur, puis c'est la première. Donc ça existe maintenant de Mademoiselle Julie, et ça existe aussi de Sarah Sims en couleur, c'est très bien. Et comment on peut l'avoir, ça je peux revoir mon style, mon travail dans les tracts. Mais comment on peut la revoir, comment on peut la voir, cette bande? C'est pas possible. Oui, c'est une bande Sony standard, comme ça, dans une cassette, comme ça. Sony. Salomé, c'était une pièce de théâtre au départ. C'était un film au départ et après j'ai fait une mise en scène théâtrale. Mais complètement différent comme conception. La mise en scène théâtrale, il aurait été montré au Festival de Nancy en 72. Oui. Non, 73. Mais c'était absolument autre chose. C'était la même pièce d'Oscar Wilde, c'était à peu près le même texte que je laissais, que je gardais. Mais c'était tout à fait autre chose, comme conception, comme idée. Mais Salomé, ça a été tourné très rapidement. C'est dans un lieu unique. C'est en 3 semaines. En 3 semaines. Salomé était aussi un film en son direct, comme le film italien. Là. Oui, en Italie d'ailleurs, ils n'ont absolument pas la professionnalité de prendre le son direct parce c'est pas une nouveauté parce que tu l'as fait dans Salomé pour le son direct. Pour le son direct. Willow Spring, c'était le son direct. Mais dans certains films, là, comme Ekakatapa ou La mort de Maya Malibran, il y a une sorte de dyssynchronisme souvent entre la voix et l'image. Une figure 3 qui manifeste après, ça peut faire dans un film comme le film de Naples si les gens parlent à côté. Non mais là c'était l'être humain avec sa voix, c'est pas une figure artificielle qu'on voit. Ça passait très bien là, dans les cas que t'as pas, ça passait très très bien, ça oui, fonctionnait. Oui, absolument. Oui. Absolument. Mais ce sont les chiffres, ce sont les idées, ce sont des choses comme ça qui se composent pour donner une chose entière. On dit entière comme Ekakatapa. Mais là, il y a des personnes réelles sur l'écran qui parlent avec leur propre voix. Si tu veux, c'est pas possible de travailler avec des tics comme ça. Non, j'aime bien dans les Ekakatapa, tout que ce soit à son point. C'est très fort, ça. Dans l'un des premiers plans de La mort de Maya Malibran, je pense que tu t'en souviens, il y a Ingrid Cavan. Oui. Elle est éclairée. Tu avais éclairé ça, c'est une sorte de orange. Oui. Et comment étais-tu arrivé à... C'est une beauté absolument fascinante. C'était pas du tout difficile parce que Ingrid a des cheveux frisés dans la scène. Oui. Elle a des cheveux bruns rouges. Oui.
Et j'ai éclairé beaucoup les cheveux avec le backbrush. Comment? Avec... Monsieur, où est mon cuir? Tu avais mis un pro... enfin, oui, dans... une sorte de projecteur des... Backlight. Non, non, oui, les deux projecteurs là, un projecteur là, un projecteur là. Donc, et je tournais sur la pellicule de jour, tu sais. Ah, oui. Voilà. Mais ça donne l'effet, enfin, le résultat oui, est très très beau. Oui, moi ça, c'est, ce sont des plans qui arrivent comme ça, qui nous prennent. Mais moi, prennent. Je suis aussi très sensible à tout ça, comme tu peux t'imaginer. Mais le cinéma ne doit pas s'arrêter à un certain moment, sur des choses comme ça. Même si pour moi, c'est un jeu d'esprit, un jeu avec des choses qui me plaît énormément. Mais il faut faire en plus, il ne faut pas s'arrêter. Mais tu sais que. Le même niveau. Et dans Flocon d'or, il y avait déjà un peu un aspect narratif. Enfin, déjà dans Flocon d'or, au début. Salomé est un film strictement narratif. Ça commence avec le début de la pièce et ça se termine avec la fin de la pièce, sans couper une parole à Oscar Wilde, sans dire que c'est un film narratif. Et le Spring, c'est un film absolument narratif. J'ai tous les d'or, ça existait d'une introduction, comme un poème romantique, sur le sujet général du film, donc la mort, et après il y a quatre histoires complètement épisodes, linéaires, et après on reprend l'idée du début avec une espèce de nécrologue sur le film. Je veux dire, c'était aussi un récit strictement comme ça. Oui, c'est vraiment pas tellement... La mort de Maria Malibran, Neurasia, Arila et Kakatapa sont des films qui sont vraiment absolument pas narratifs. Mais le style est très primitif, très improvisé, et ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Oui, justement, en parlant de par exemple, de La mort de Maria Malibran, enfin, on l'a montré à un public universitaire cette année, et c'est toujours un film subversif. Mm-hmm. Les gens réagissent très souvent mal. Je pense comme au début. Les gens reçoivent ça, réagissent. À Buenos Aires, il a fait 3 semaines dans le cinéma, La mort de Maria Malibran. Ah, oui. Ça, c'est merveilleux. Mm-hmm. Mais à Paris, il avait un peu marché quand même. Paris, c'était 2 mois, oui. Oui. Même pas eu de l'argent. Oui. Et en Italie, ils ont projeté plusieurs fois là, maintenant, La mort de Maria Malibran, et les gens ont beaucoup aimé. Mais naturellement, c'est un cinéma subversif. Et tout cinéma doit être subversif. Mais pas seulement sur le plan qu'on peut donner ce côté aux étudiants, tu sais. C'est, c'est beaucoup plus subversif. Par exemple, pour le public en général qui veut suivre une histoire racontée selon une machine de récit permanent, c'est vraiment subversif de jouer avec le contenu beaucoup plus qu'avec l'esthétisme de l'image. Aujourd'hui, je trouve, parce que le temps de l'indépendance est passé, notre société n'a pas du tout tenu la promesse qu'on a vue. Prévu peut-être comme progrès positif au moment 68, 69, 36 encore. Donc là, par exemple, dans le film de Naples, à la fin, comme je joue avec la sérieuxité du Parti communiste et avec l'incapacité d'aider aussi de la part du Parti communiste, visiblement en Italie, au moment, c'est la situation la pire. Parce que les communistes ont plus confiance au parti, parce que le parti s'arrange de plus en plus avec le PC, les démocraties chrétiennes. Et les anarchistes sont regardés par le peuple comme fascistes, avec absolument raison, parce qu'ils sont complètement en train de jeter l'Italie dans précisément le chaos que peut souhaiter l'Amérique pour avoir un pays qui évite le communisme complètement, tu sais, le socialisme. Oui, ça, je comprends bien. Qui c'est que tu appelles les anarchistes? Hein? Les Brigades Rouges? Oui. C'est peut-être pas les anarchistes. Ce sont des fascistes, pour moi. C'est des fascistes.
Oui. On ne sait pas qui ils sont. Oui, exactement. Il y a plusieurs théories. La théorie qu'ils sont payés par le CIA, organisés de l'Amérique, c'est bien possible, mais qui le sait, c'est une incertitude qui est créée par la situation et par la brutalité des actions en Italie. Ça fait un éclat tellement négatif sur la vie italienne et sur la conscience politique des Italiens que vraiment elles arrivent tombées dans un chaos, plus organisé précisément, par exemple, de dire oui, le Parti communiste c'est encore une qualité fixe, c'est pour suivre des blablas comme ça. Bah, bah, bah. Le Parti communiste a beaucoup perdu avec l'histoire des Brigades Rouges. Voilà. Et c'est arrivé au moment précis où il allait faire la jonction avec la démocratie chrétienne. Voilà. Et moi je suis désolé de cette situation. Et dans mon film, je montrais un peu déjà avec la manière on sait le Parti communiste, un peu faussier, un peu trop paternaliste, un peu trop naïve, comme ça. Je jouais tout le temps avec ça dans le film. Et à la fin, comme Massimo, finalement, quand eux, là, ce sont tous les vrais types du Parti communiste. Ah bon, oui, c'est vrai. Et c'est un film réaliste. Donc les choses là, et quand ils disent, le petit Massimo Wovic a travaillé pour nous maintenant pour 6 ans ou 10 ans, sans rien gagner, et maintenant on a trouvé un très beau travail pour toi. La mano d'opera non specializzata, donc le pauvre type qui doit transporter la poubelle, tu sais, quel grand espoir. Et c'est pour ça qu'à la fin, pour la fin du film, je préfère avoir les hurlements du pauvre Massimo aiuto, 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 qu'avoir une idée établie communiste, stabilisée. Je veux que la situation soit vraiment ouverte à la fin du film. Et le aide-moi, c'est beaucoup mieux que chose fixe, cette tension intellectuelle. L'ordre tout le cas. Les Italiens qui ont vu le film ici, ils ont une partie, je crois, beaucoup détesté parce qu'ils ont. Ils ont dit, par exemple, le producteur romain a eu la constatation de me dire qu'il faut remonter sur le film parce qu'il faut jouer sur la côté privée pour éliminer la côté politique. Je dis, mais quand même, peut-être que je ne change rien. Maintenant, j'ai peur que ce sont déjà en train de remonter le négatif. Tu as peur, vraiment? C'est possible, tu sais, après les très mauvaises expériences que j'ai eues avec eux, je veux bien le croire que ce soit possible. Ce serait la première fois qu'une chose comme ça t'arriverait? Oui, absolument. Jamais une, avec la télévision, il faut dire jamais une demande de difficulté, jamais. Mais là, là, tu sur le plan, je veux dire, sur le plan. Au niveau du résultat, ils n'ont jamais insisté, coupé, changé, jamais. Mais là, tout à l'heure, tu te plaignais un peu de ne pas être assez aidé, mais en définitive, tu as pu quand même mener à bien tous tes films sans être censuré. C'est quand même un point positif, c'est quand même assez important d'être libre au niveau du résultat. Oui, c'est absolument important, absolument, c'est très bien. Et je te dis, grâce à une certaine activité très libérale et très positive de la télévision allemande, c'est vraiment possible encore. C'est toujours possible, ça ne sera pas parce que... C'est toujours possible. Je croyais qu'elle aidait moins les jeunes cinéastes sur la télévision. Je croyais que c'était un peu... Non, absolument pas vrai. Non. Non, mais tu sais, parce que c'est le seul moyen de faire les choses un peu entre vite. Je ne peux pas faire des choses comme ça avec l'argent des producteurs allemands parce qu'ils font des choses vraiment ignobles. Mais en France, c'est pareil, dans tous les pays, la télévision. Mais en France, la télévision aide un peu aussi. Pas beaucoup. Il y a l'INA qui aide un peu. Oui, par exemple, les avis, c'est déjà pas mal. Mais ils ont été avec 30 000 francs. Même les rien. Et là, le film, là, il va être présenté dans d'autres festivals maintenant. J'espère que le producteur va accepter d'envoyer des copies, parce que comme je me trouve avec lui pas dans un très bon état de relation personnelle,
Il est invité déjà. Oui, oui, partout. Pas partout, mais dans... Mais il sera au Festival de Paris ou... Non, je ne sais pas. Mais c'est un festival de mode libre. Moi aussi, ça me plaît parce que là, le festival fait le vol, notre le tout, tu sais. Si tu vas à Delhi, tu as la possibilité de faire quelques centaines de kilomètres et d'aller au nord, à l'Himalaya. Oui, il y a des coins absolument fantastiques. Je connais un peu. Tu connais Manali? Oui. Tu es allé? Oui. Moi aussi. Ah, c'est beau. Très très bien. Tu sais, mon beau-frère, on dit, quand j'étais marié, mon beau-frère, il est professeur à l'université de Dan Benares. Oui. Non, mais ça fait plaisir, j'espère que le producteur ne va nous pas prendre la possibilité de voyager comme ça. Là, tu avais un projet, là, c'était Si tous les marins du monde. Et où est-ce qu'il en est, ce projet? Parce qu'il avait été publié en français dans une revue qui s'appelle c'est L'énergie humaine. C'est celui-là, c'est celui-là. Oui. D'accord. Alors, c'est un film. Alors, le voyage est complètement hors champ. Oui, mais tu sais, c'est peut-être c'est une étude pour un film que je vais faire plus tard. Ça sera un film très cher, ça, si tu le fais. Hein. Exactement, et comme les sujets homosexuels ne trouvent plus d'argent en Allemagne. Et... Ah bon? Parce que j'en pense que c'est assez fait maintenant, fini. Ah bon, parce qu'il y a eu des gens qui ont eu de l'argent, enfin, un peu d'argent, comme Place Bilder, par exemple. Il avait eu un peu d'argent. Et comment enfin, je sais pas, par exemple, le droit du plus fort. Oui, mais tu sais que ça fait combien d'années? Plusieurs années. Ouais. 3 ans, 4 ans. Et c'est fini maintenant. Oui. Et en tous les cas, Fassbinder comme qualité commerciale de la République fédérale, naturellement, obligatoirement, elle en donne de l'argent. Oui, et lui est tellement... rude et agressive avec les gens en Allemagne et avec les... Ah oui? Oui, c'est la raison. Comme ça, ils ont peur qu'ils veulent s'exiler et n'importe quoi. Donc c'est une situation en tous les cas très spécialisée et très précise comme position sociale. C'est pas une chose qu'on peut comparer avec la situation d'autres cinéastes, la position de la secondaire. Oui. Il a eu un très bon ami à moi depuis 10 ans, joué dans ce film. Oui, tu as joué dans un de ces films. Deux. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Et non. En tous les cas, je te dis que sa position est complètement fixe, comme ça. C'est très représentatif pour la dite explosion positive du cinéma allemand. Et moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne vois pas du tout une plus grande créativité dans le cinéma d'aujourd'hui que dans le cinéma des années 50 en Allemagne. Et je crois que si on veut faire une rétrospective du cinéma allemand des années 50 et 40, après-guerre, je veux dire, donc 47 à 59, on trouve également des films extrêmement fascinants, tu sais, même si le style est complètement... Le style oufa encore. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Je trouve le cinéma allemand des années 50 très fascinant. Je ne trouve pas qu'aujourd'hui il y a une situation d'une bonheur de génie. Là. C'est vraiment... Aujourd'hui, on reconnaît de nouveau un peu plus l'esprit allemand, peut-être. Après la guerre, c'était différent. Tu connais quand même bien le cinéma allemand. Oui, parce que j'ai vu tous les films là, jusqu'à l'âge de 11 ans, 16 ans, tu sais. Je me souviens bien des films. À l'époque, quand j'avais 10 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai tout vu, tu sais, des choses comme ça, des choses actuelles. Mais j'étais à Heidelberg, donc les films muets, des choses comme ça, je n'ai pas vu parce que ça ne se passe pas en Provence. Mais tous les films, tu sais, les films allemands que j'ai vu avec Katharina Valente surtout. Est-ce que tu vas aller voir, je crois que c'est lundi, Hitler de Cyberberg? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai vu deux films de Cyberberg qui me déplaisent
allemand, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais il t'avait cité dans la mention de Ludwig. C'était une sorte d'hommage, moi. Non, moi, pour moi, la menthe, exactement, c'est la menthe, exactement cette qualité humaine que j'aime beaucoup dans mon travail, qui est complètement absent. Je trouve des choses très surréalistes, très dures et très, très faites, des choses de Spielberg avec une montée de sensibilité humaine éclatante. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Il est comme ça aussi dans la vie, paraît-il. Moi, j'en sais rien, je le connais, il me dit bonjour tout le temps, et moi, je dis bonjour, c'est tout. Mais c'est pas quelqu'un qui m'intéresse, tu sais, c'est trop... Sa position est tellement une position de quelqu'un qui se prend comme génie ou quelque chose comme ça, et en vérité, c'est pour chose. C'est pas très gentil quand même. Non, mais j'ai vu le Ludwig parce que l'ami à moi joue dans le film Harry Beard, c'est que joue Ludwig, quand j'ai vu le film avec lui. Je trouvais tellement dur et un tellement de sensibilité, je ne peux pas te dire comment. Tellement fait et tellement... Sans l'ouverture et légèreté d'esprit qu'il faut pour faire un film dans un style expérimental. Je trouve qu'il utilise les moyens des films expérimentaires pour faire des choses complètement rigides, rudes, commerciales. Dans 17 heures de Hitler, ne m'intéresse pas. Je dis que le personnage de Hitler ne m'intéresse pas non plus. Parce que moi, je crois que j'ai bien compris la position. Ce dans notre histoire européenne et mondiale, et je trouve vraiment pas tellement fascinant. Ça, c'est tellement bien expliqué. Il a été fascinant aussi. Pour beaucoup de gens, il a été fascinant. Non, mais il a été un personnage complètement fascinant, mais on ne peut pas se précipiter à nos jours, tout le temps de nouveau. Je veux dire, c'est pas une recherche scientifique. Une chose qui m'intéresserait, ce serait de savoir vraiment ses maladies, une recherche sur les vrais rapports avec les gens qu'il a eu, tu sais, avec ses rapports avec la nourriture, mais précis, pas comme une invention de folie, mais précis. Une chose scientifique, politique, clinique, mais pas ce délire que c'est uniforme SS, et voilà, ça ne m'intéresse vraiment pas, absolument pas. Je trouve ridicule. Regarde en Italie, en Amérique, en France, partout il y a ce mythe de... Et moi je crois que si les gens ont tellement envie de réutiliser les images du Troisième Reich, du fascisme dans sa formule la plus excitante romantique, je veux dire, et la plus cruelle en même moment, ça montre aussi un certain désir de s'approcher au sujet même avec une identification au personnage. Inévitablement, parce que si moi, avec mon grand amour pour Maria Callas, si je me suis précipité vers elle, c'était toujours vraiment un amour très direct. Et ça veut dire que moi, j'ai complètement assumé, accepté sa position artistique, sociale et tout, tu sais. On ne fait pas des choses d'une fascination sur quelqu'un ou avec quelqu'un si on n'est pas fasciné d'une manière positive. Et d'être fasciné de Hitler d'une manière positive, ça me montre seulement que les gens n'ont pas trouvé une autre possibilité de fascination différente, libre, humaine, que toujours les cauchemars les plus négatifs d'un sadomasochisme extraordinaire. C'est valable pour les lieux aussi, ça, la fascination, pour les villes, Naples, Avignon. Oui, j'aime beaucoup Naples, c'est tout ce que je peux te dire, parce que je crois, mais c'est une chose naturelle, j'ai commencé à comprendre un peu les gens là-bas, je crois. Oui. Aimer l'atmosphère, aimer la ville, bien sûr. En tous les cas, je te dis que c'est la seule ville en Italie où on a vraiment le sentiment que les gens rejettent vraiment toute commercialisation. Ils ne sont pas manipulés. Ils ne se laissent pas manipuler. Il n'y a pas le risque. Ça ne change jamais. Et j'aime cette qualité, vraiment. Mais moi, j'aime aussi beaucoup Mexico City. J'aime beaucoup de vivre comme ça.
plus en plus d'ailleurs, parce que la vie à Paris, la vie à Munich, la vie à Hambourg, la vie à Londres, la vie à New York. Non, New York, c'est une exception. Drôlement, là, il y a un renouvellement d'un esprit assez ouvert et une situation vitale assez positive. Mais la vie à Paris, la vie à Francfort, c'est beaucoup... Mais tu n'as jamais tourné à New York encore? Non. Non, c'est pas une ville qui m'attire tellement, je veux dire. Pour vivre, oui, mais pas pour travailler. C'est une ville tellement excitante parce qu'il y a tout le temps, tous les gens font des choses. Donc même là, on a envie de participer comme spectateur aussi. À New York, c'est vraiment bouleversant. Mais pourquoi travailler à la métropole? Oh, quelle angoisse. Il y en a qui ont réussi à montrer très très bien New York. Il y en a qui ont trouvé une poésie, qui ont réussi à montrer ça au cinéma. Qui? Je ne sais pas si tu as vu le film de Jonas Mekas, Guerrise d'un Game Sketch. Mm-hmm. On n'a jamais vu. Toute une poésie. New York, c'est pas que du béton. On montre Central Park, les rues de New York, bloquées par la neige pendant l'hiver. Très très, très, très poétique. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme film? J'ai commencé il n'y a pas très très longtemps. Un cinéma conceptuel, c'est très minimal. Ça veut dire quoi? Expérimental. Mais... qu'est-ce qu'on voit dans les images, par exemple? Ben, j'ai fait des premières choses très abstraites. Mais qu'est-ce que tu vois, par exemple, dans tu le projettes, qu'est-ce que tu vois? Et là, par exemple, j'ai fait des portraits d'amis que j'ai filmés. Mm-hmm. Pendant 3 minutes, oui. En 16 mm, puis en Super 8, puis en Super 8. Mmh. Et je l'ai filmé pendant 3 minutes, sans son, en muet. Et j'ai projeté ça en public. Il y a des réactions très intéressantes. Les gens dialoguaient avec l'écran où il n'y avait pas de son. C'était très, très très drôle. C'était très drôle. Et les gens riaient en plus. Mais tu connais le cinéma de l'époque, Grégory Macron, pour le moment? Oui, il a fait des choses très intéressantes. Il a fait des portraits comme ça, pas comme ça, mais il a fait des portraits montés dans la caméra, tu sais, c'était très bien. Aussi, chacun c'était 11 minutes, 7 minutes. C'est un très grand monteur. Au niveau du montage, Marco Pulo, c'est très très doué. Moi, je te dis, à l'époque, j'ai vu en 67, j'ai vu avec Rosa von Braunheim, j'ai vu à Knock, festival de Knock sur Zoom. Expérimental. Oui, j'ai vu quelques-uns, et moi, il faut dire que ça m'a plu beaucoup de le voir. Mmh. Mais il n'a plus rien fait, je crois. Il habite en Suisse maintenant. Ah. Mais il tourne toujours, mais il n'a pas d'argent pour développer. Alors il tourne, et chez lui, il y a beaucoup de pellicules qu'il faudrait développer, mais qui ne sont pas développées. Mais avec quel argent il tourne? Justement, il a beaucoup de problèmes d'argent, il tourne en 16 mm avec presque rien. Je sais. Et je te dis, il n'a même pas l'argent pour développer ses films. Mais ce qui l'intéresse, c'est de tourner. C'est ça qui est dommage que... Mais il est complètement mégalomane, tu sais, maintenant. Complètement. C'est difficilement imaginable qu'il puisse s'entendre avec un producteur, par exemple. Mm-hmm. Parce que tout de suite, ça ne peut plus marcher. Mais je crois que c'est complètement... Enfin, l'underground américain, c'est quelque chose de fini. Enfin, mm-hmm. Maintenant, c'est... Enfin, comme tu disais, c'est lié à la situation historique. Aujourd'hui, on peut... Mais quand même, c'est dommage qu'on ne laisse pas continuer quelqu'un comme Marco Polo, qui a une qualité absolument existante. J'étais lui aussi. Qualité même. Vraiment laisser ce peu d'argent pour le laisser continuer. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin de peu d'argent pour faire des films. C'est dommage parce que ça coupe complètement le contrat vital de quelqu'un. On reprend le studio. Et en plus, il est très paranoïaque. Il y avait beaucoup de possibilités de passer ses films en France, mais ça ne se faisait jamais parce que... Il était toujours comme ça, complètement paranoïaque. Cette rétrospective pourra se faire à Paris, qu'elle soit... À quelle époque vous avez pensé? Nous, on pensait faire ça vers le mois d'octobre, mais c'est un peu à toi de choisir, parce que si tu peux venir un petit peu... Faut que ça soit dans une période où tu puisses... Ça serait bien si
pourrais le faire au moment quand le Reine de Naples sort à Paris. Oui. Bien. Oui, c'est très concevable de faire ça. Comme ça. Et peut-être au même moment, l'autre film là que je fais à Zurich va être prêt aussi. Oui, oui. Mieux comme ça. Ce serait très bien. Moi, je crois un mois d'octobre. Non, d'octobre, c'est très bien. Non, peut-être décembre. Décembre, peut-être. Oui. Décembre, c'était un bon moment parce que là, j'ai terminé la mise en scène à Bordeaux. 25 novembre, c'est la première. Donc, oui, vers le 10, le 5 décembre, ce serait pas mal. Oui, parce que bon, moi quand je vais rentrer à Paris, j'irai voir le responsable culturel du Goethe, oui, qui est Crane Braille. Uh-huh. Et il faudrait qu'il y ait un contact entre lui et toi, qui puisse te téléphoner, qui puisse te contacter assez rapidement. Si c'est possible maintenant, assez rapidement, de voir à peu près une période début décembre par exemple. Il y aura peut-être la possibilité, ça c'est quelque chose d'important, s'il y a assez d'argent, on pourra faire une brochure sur tes films, avec des... Oui, on pourrait bon, publier dommage, des entretiens, des textes qui ont été écrits en France et à l'étranger. Tu es quand même un des rares réalisateurs qui fait des films depuis plus de 10 ans maintenant, et il n'y a pas eu de livres, de livres sur ton travail. C'est drôle d'ailleurs parce qu'en Allemagne, à l'édition Hans, ils annoncent depuis 2 ans un livre sur moi. Mais je sais que c'est très difficile d'avoir les documents, parce qu'ils sont tous à San Francisco, je crois. Les documents, tous les renseignements concernant tes films, ce n'est pas centralisé à la cinémathèque là-bas, non? Non, je préparais 3 énormes paquets comme ça. Quand je suis déménagé l'année dernière, que j'ai mis dans un dépôt, que je vais donner à Mathias Brunner en Suisse, il va tenir comme archive, donc vous trouvez quelque chose comme ça. Mais moi, je n'ai même pas la moitié des choses apparues. C'est dommage, parce que moi, je n'ai pas un service de presse ou des choses comme ça, tu sais, donc je n'ai jamais tout. Enfin, là, au Goethe Institut, ça ne sera pas comme ça, c'est quelque chose de sérieux. Moi, j'ai collaboré plusieurs fois avec le Goethe Institut. Moi, je suis allé à la rétrospective de Jean-Marie Stroh, qui s'est passé au mois de novembre dernier. C'était très, très bien organisé. Uh-huh. C'est vraiment sympathique. Enfin, c'est vraiment très bien dans ces conditions-là. Parce que tu as toujours un film qui est au Goethe Institut, c'est la mort de Marianne Alibra, qu'il est possible de voir en France, qui circule comme ça. Oui, parce que là, ils ont fait une version sans optique, tu sais, oui. Oui, avec une internégative, donc là, il y a une vingtaine de copies qui circulent. Ouais. Et c'est dommage, parce que la qualité de l'image est comparée aux copies tirées de l'original, c'est vraiment une... Mais pourquoi ils n'ont pas pu tirer une copie de l'original? Pour quelle raison? Parce que ça détruit l'original, c'est le film renversé, comment dire. C'est de l'inversible, là. Mais... Oui, toujours, je ne vais jamais tourner avec une négative. Mais tout le film est un inversible, là. Oui, d'ailleurs, comme Anthropologue, tout le temps aussi, seulement du matériel. Et seulement le film de Naples est tourné en négatif. Mais donc, pour tirer plus que 5-6 copies de films comme ça, faire un état négatif tout de suite. Pour faire un état négatif pour une distribution. C'est plus large, cher, c'est plus. Donc, ça coûte ils ont cher. Fait un état négatif et selon l'antenne. Mais enfin, la copie là, du Goethe Institut est quand même... moi, je la trouve quand même pas mal. Hein. Enfin, non, j'ai vu la copie, une copie comme ça au Mexique. C'est pas mal, mais c'est pas tellement bien. Peut-être qu'il y en a qui sont différentes les unes par rapport aux autres. Je sais pas, mais enfin... Non, les contrastes et tout ça, ça devient plus... non, opaque, je veux dire. Opaque. La transparence de l'image est pas tellement bien. Mais c'est pas grave, je veux dire. Mais entre rapport qualité et projection, on est sur le renversé, mais c'est une qualité beaucoup plus haute, c'est une qualité définitive. C'est pour ça que je tournais sur le renversé. Mais non, mais quand tu dis que c'était à quel niveau que c'était une meilleure qualité, c'est-à-dire
Non, c'est plus brillant, c'est plus net, c'est plus... La définition de l'image est plus grande, vraiment. Oui. Mais tu utilisais une pellicule de combien, de quelle sensibilité, de combien d'azur? J'utilisais plusieurs pellicules toujours. Par exemple, pour les extérieurs, presque toujours avec la Chrome Commercial. Et pour les intérieurs, le matériel EF. F et aussi le Geva Color quelque part. Tu sais à combien d'azars ça correspondait? Oui, le Ektachrome Commercial, c'est une pellicule avec une sensibilité extrêmement basse, je crois que c'est 25 azars. Oui. Donc 13 dines, je crois. Oui. Et l'autre, c'est une pellicule de 20 dines. D'accord. 500 azars, je crois. Mm-hmm. 200 personnes. Mais en tous les cas, c'est mieux. Et c'était mieux aussi pour moi parce qu'au début, avec Akakatapa et le Bamba Pilo, des choses comme ça, j'ai pas eu l'argent pour me payer une copie de travail de mon matériel. Donc j'ai monté tout sur une salle Icon, Moviscope, tu sais, l'original. J'ai coupé l'original, tu sais, avec des colures de négatifs, comme ça c'était un travail sur l'original et jamais sur une copie de travail. Tu faisais les colures directement sur l'original. Oui, voilà. Et c'était moins cher, c'est Akakatapa pas mal, c'est que ça m'a fait pour 20 000 marques, 40 000 francs et c'est tout. Oui, c'est... C'était un film de 2 heures. Oui, 2h20 même. Oui. On pouvait le voir encore l'année dernière, Akakatapa. Il était diffusé par le Goethe Institut. Ah, c'était une maison de distribution qui leur a prêté pendant un an, je crois, la copie. Malheureusement, maintenant, après la mort d'Henri, la Cinémathèque, ça va être difficile de retrouver ma copie originale à Akakatapa. Tu avais une copie, tu avais l'original? J'avais donné comme cadeau à l'envoi, oui. Comme lui était très loyal avec mon travail, j'ai juste lui laisser la copie. Et maintenant, je vais la reprendre parce que... Oui, mais oui, il faudrait la reprendre. S'il existe encore. Ça fait plus d'une année qu'il est mort déjà. Oui. L'année dernière. Mmh. Mais tu as un contre-type quand même. Oui, non, l'original du film se trouve au laboratoire en Munich. D'accord. Mais la copie, une copie originale, tirée de l'original et pas de l'intérieur négatif, se trouve là chez l'envoi. Parce qu'Akakatapa est aussi distribué par les instituts Goethe. Ça veut dire aussi, de ce film, ils ont fait un état négatif, ils font peut-être des copies sur l'état négatif. Mais là, il est en France, il est plus en diffusion. Mais là, il y a une image d'ailleurs qu'on voit dans le film là, de Naples, le dernier film. Je crois que tu avais déjà tourné dans le même lieu, dans les Akakatapa, je ne sais plus comment c'est, une sorte de grand hall. Oui, c'est là. Et tu avais tourné en Bertone, oui. Tu avais tourné déjà dans les Akakatapa ou tu avais tourné en accéléré, je crois, oui, en noir et blanc, c'est ça? Non, avec une vélocité extrêmement basse, c'est donc sur l'écran, c'est accéléré. C'est ça, rapidité. Oui. Oui, c'est là la scène où le garçon vend le journal, Unita, Unita, Unita. Oui. Et Flocon d'Or, je pense que là, si ça peut s'arranger les problèmes, ça sortira à l'Olympique. Je sais pas où. Ça dépend de Babi Schroeder, qui est le producteur français du film. Mmh. Est-ce que tu peux... est-ce que tu as une adresse où on peut te joindre en Allemagne? Oui. Elle n'est plus bonne, celle-là? Non. Non, parce que moi, j'ai plus d'appartement en Allemagne du tout. Donc c'est chez mon frère. Mmh. Qui me donne toujours plus d'être... Tu n'es plus à Heidelberg? Non. Non, j'ai plus aucun endroit. Sur le Mexique.